Donc dans cette vidéo, eh bien, on nous demande d'écrire les expressions qui correspondent aux formulations suivantes. Donc les trois formulations que j'ai marquées ici. Donc la première, c'est écrire la somme de moins 7 et de 8 multipliée par x. Donc ici, on nous dit que c'est une somme. Donc je peux écrire un signe plus ici. Donc c'est la somme de quoi? Eh bien c'est la somme de moins 7, donc j'écris moins 7 d'un côté, plus une quantité qui est 8 multiplié par x. Donc 8 multiplié par x, eh bien c'est tout simplement 8x que j'écris ici en bras. Maintenant on regarde la deuxième proposition. Donc écrire la somme de moins 3 multiplié par x est de 1. Donc, eh bien, on nous dit encore une fois que, eh bien, c'est une somme. Donc, j'écris un signe plus. Je sais que d'un côté, je vais avoir moins 3 multiplié par x. Donc, ça, eh bien, ça nous fait moins 3x. Et je vais ajouter 1. Donc, j'aurai 1 de l'autre côté. Donc, ce 1 ici que je mets en brun. Voilà. Donc maintenant, la troisième phrase, on nous dit écrire la somme de moins 1 multiplié par x et moins 6. Donc comme tout à l'heure, eh bien on a encore une fois une somme, donc plus. Donc moins 1 multiplié par x. Donc moins 1 multiplié par x, eh bien ça nous fait moins 1 fois x, donc moins 1x, auquel on ajoute moins 6. Donc moins 6. Eh bien, moins 6, je l'écris donc de l'autre côté ici, avec une parenthèse. Et donc ça, en fait, c'est exactement la même chose que d'écrire ici, moins x, et moins 6. Voilà, et là on a fini.